cousine. Je me suis remis un peu les baleines. J'ai plein de choses à vous raconter. Qu'est-ce que ça passe vite? J'aime bien le dimanche faire mes capsules. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, le jour de la gloire de ce que l'on est, c'est tous les jours. Moi, la gloire de moi-même, c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour pour ça, mais je passe une super semaine. Super semaine. Dont j'ai changé le programme parce que, comme je reçois les infos de. De Châteaubriand, puisque moi je suis abonné à l'éclaireur, je reçois ça tous les jours, ce qui se passe à Châteaubriand, puis je suis friande forcément de ça. Parce que vous y êtes, alors ça m'intéresse forcément, puis moi je suis dans les deux, en tant que clown, je suis dans les deux endroits, quand je le veux. On est officialisé à Châteaubriand avec l'article de l'éclaireur. Donc je vois qu'il y avait le forum des associations, et je vois qu'il y avait toi, Brigitte, en premier. Alors, toi Brigitte en premier, puis la Marie-Claude, tout ça, je me dis, ben, comme ils sont tous fermés, qu'on sait même pas que vous êtes comme des rats entre vous, là d'ailleurs, dis donc, il y a des sacrés travaux dans votre rue. Oh le bordel. Alors là, ça fait village de rats, là, je suis désolée de vous le dire. Venez voir mon trottoir, mais ma place, elle est toute nickel. Mais alors, dis donc, chez vous, alors là, ils font quoi comme travaux? Là, vous en avez pour longtemps de ce bordel. Alors, bon, ben, vous avez vu qu'on a pris des photos. On est venu en reportage de clown, donc hier. Hier, donc, ma semaine, elle a été. Mais j'ai passé une super semaine, comme je continue à passer une magnifique vie depuis que j'ai choisi. J'ai eu un soin lundi. Oh là là, extraordinaire, de 2h30, là, quel beau cadeau, merci ma Anne. Quel cadeau sublime, bon, pff, j'avais vraiment besoin de ça. Elle a été adorable, elle m'a offert l'ostéo, il n'y a pas longtemps, j'en avais bien besoin dans mon corps, là. Et puis là, ce soin-là, bon, pff, c'était vraiment génial. J'ai eu toutes mes clés, c'est bon. Elle est repartie comme en 14, la petite Gabrielle, Véronique Marie-Gabrielle, elle est arrivée, total. Elle m'a donné toutes les clés pour que j'arrive vraiment où je sois, qui je suis, quoi. Et qu'est-ce que c'est bon d'être qui on est. Alors, donc, du coup, on s'est dit avec les copains clowns, on va changer de programme. On va venir au forum des associations, rencontrer ces gens. Parce que, sur les conseils de mon psychiatre, mon avocat, tout ça, je ne dois pas me présenter depuis la fête des mères à Châteaubriand toute seule. Parce que vous êtes. Reconnus quand même comme des gens très très violents et dangereux. Et donc bah, moi j'arrive avec mes copains parce que là vous me disiez j'ai pas de copains, si j'ai plein de copains et je peux même arriver, comme vous avez pu le constater hier, en dire bon on est les quatre copains, on va à Châteaubriand au forum des associations dans l'objectif. Quel était l'objectif de vous croiser? Parce que vous êtes comme des rats chez vous et que si je sonne, je n'ai pas de nouvelles et puis voilà. Après, c'est une petite troisième expérience par rapport à ma plainte, donc c'est super parce que là, j'ai eu une nouvelle, un nouveau fait intéressant qui est arrivé hier grâce à ma rencontre avec Brigitte. Ça, c'est important parce que quand même, c'est pas n'importe quoi qu'on se soit croisé. Et son attitude, elle a été bien particulière à la Brigitte. Hein? Que te dire, Brigitte? Le clown, c'est un lecteur de cœur. C'est-à-dire que la réaction qu'on a face à un clown, il montre et dévoile notre cœur profond. Exactement ce qui se passe comme un clown ne s'exprime qu'avec son cœur. Le clown, il n'a que le cerveau du cœur qui fonctionne. Donc nous, on est parqués de trois clowns plus Tatiana qui était voilà. Hier de croiser, wow. Et quand même une personne particulière, tu cohabites avec mes enfants, mes trois jeunes filles que je ne peux pas voir depuis 6 ans et demi. Depuis 2019, notre Bob l'éponge est débarqué, 1er juillet 2019. Des voisines de la belle-mère de Marie-Claude Ferrir, c'est pour beaucoup rire d'ailleurs,
C'est pas banal ta présence là, dans la vie de tous mes enfants, de ma famille. Manifestement, Bob l'éponge a retrouvé enfin l'amour. Bon, bah, tant mieux pour vous. Alors là, moi je suis pas jalouse. Oh là 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 là, loin de là, putain. Ouh, ouf. Au secours. Heureusement, je me suis sorti d'affaire. Oh la vache. Mais quand même, quoi. Hein, donc, t'étais la voisine de la Marie-Claude. Alors, bien évidemment, oh bah, je suis sûr que le portrait que m'a dressé la Marie-Claude, cela va de soi, c'est le portrait du siècle. Qu'est-ce qu'il a souffert avec elle? Si tu savais comme Frédéric a souffert avec elle. C'est son credo, parce que moi je l'ai entendu pas il y a 19 ans, parce qu'il y a quand même 7 ans de plus, 25 ans, elle disait de Maud qui était débarquée dans sa vie 2 ans, qu'est-ce qu'il a souffert avec Maud? Et ma Marie-Claude et mon Frédéric à dire qu'est-ce qu'elle a souffert avec ma mère. Peut-être que tu l'as pas dit à toi. C'est pas le même tableau. C'était sa dernière chance d'exister. Donc là, forcément, ils ont mis le paquet parce qu'il fallait sauver les apparences. Mais sauf que le problème, c'est que c'est moi la mère de tout ça. Alors donc hier, je me suis retrouvée quand même très surprise. Alors bon, tu fais du yoga Kundalini. Bon, moi, je pratique différents yogas. Et j'ai aussi vécu des montées de Kundalini régulières. J'en vis très régulièrement d'ailleurs. Ce n'est pas ce que tu décris vraiment, la Kundalini. C'est une montée christique. C'est la joie, le rire, le sourire. C'est ça, la Kundalini. C'est l'extase de soi-même. Bon, moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui est en extase de soi-même. Et quelqu'un qui prône, ça donne pas du tout envie d'aller à tes cours. Hein. Parce que c'est ça qui est important quand on va vers une technique. On dit, ben, qu'est-ce que c'est, je vais devenir comme ça. Si je la pratique, ben écoute, il faut faire quelque chose au niveau communication, il y a un vrai problème. Est-ce que ça donne pas envie? Nous, on était 4 observateurs et Tatiana était intéressée, elle se déplace et tout. Oh, ben tout de suite, mes copines. Moi j'étais censée, on avait prévu que je les retrouve volontairement pour voir s'il y aurait une différence entre ton attitude et c'est ça dont ils étaient censés être témoins, puis ça a été une apôtre clown dans l'amour, parce que nous on est dans l'amour et l'amitié extraordinaire, c'est des grands amis d'amour. Tatiana, elle est témoin de la seule fois où j'ai pu voir les filles les 10 jours, la seule fois en 6 ans et demi où j'ai pu voir les filles, elle avait donné des cours d'espagnol à Opal. Génial cette nana là. Et Opal lui avait dit, elle en était moins, oh, parce que j'aurais aimé pouvoir venir ici. La seule fois. Alors, donc, toi, je me suis quand même interpellée. J'ai digéré l'info, puisque je venais sans image. Moi, je débarque sans image. Je viens découvrir. Tu étais en train de discuter avec Tatiana, nanana, faire tout ton show. J'en ai entendu le discours, elles m'ont raconté ce que tu avais dit avant sur le chakra racine, tout ça. C'est d'autres, t'as d'autres chakras, la Kundalini, mais le chakra racine, en effet. Et puis moi, j'étais juste dit, est-ce que vous les avez vus, les côtés de la Kundalini, et puis là, tu m'as regardé. En fait, tu vois personne. On a remarqué déjà, première info, c'est une critique positive pour ton stand, parce que tu étais censé prôner une technique hier. Eh bien déjà, tu te tournes le dos au public, tu n'es pas avenante. Il n'y a pas du tout de... Tu n'es pas accueillante dans ton stand, il faut venir chercher l'info. C'est pas ça, être rayonné une technique, encore plus la Kundalini. Alors, parce que c'est le résultat qui compte. Maintenant, tu nous as depuis 400 balles, c'est pour donner. Alors, puis tes trucs, là, de je sais pas quoi, le tantra blanc, là. Oh, notre Bob l'éponge là-dedans. Oh! Ah, oh, j'imagine le tableau. Oh, ben, elle en a fait de la Kundalini, la belle-mère, là. Elle a fait du yoga avec elle. Se dit donc, les résultats, alors là, c'est top, top niveau. Alors, Frédéric, la Kundalini, yoga Kundalini, le résultat, il est encore plus raide qu'avant. Plus coincé qu'avant. Oh, ben, écoute. Ah, mais c'est pas ça, là, le Kundalini, c'est... On danse quand on fait de la Kundalini.
On est sensuel, on est rayonnant, plein d'amour, de bienveillance, de... Tout ça, là, moi, toi, tu m'interpelles vraiment, parce que quand même, tu m'as croisé hier. Tu savais très bien qui j'étais, même si je me suis pas présenté. Et t'as eu aucune réaction. Moi, je sais pas, je me serais retrouvé dans cette situation à ta place. J'aurais eu envie de parler avec l'autre. J'aurais eu envie que cette femme m'explique ce qui s'est passé, son point de vue. J'aurais envie de la rencontrer. Moi, je serais curieuse de ça. Brigitte. Je ne fuirai pas. Alors, qu'est-ce que tu veux pas voir? De toute façon, si vous, vous faites tous ces autruches, alors, j'ai la rue. La rue, la grande rue à Châteaubriand, c'est carrément une rue d'autruches. Vous êtes tous là, mais les autruches, il faut faire gaffe parce qu'elles se font prendre par derrière, parce qu'elles ne voient pas ce qui arrive. Alors, faut arrêter de faire des autruches, parce que franchement, vous êtes incroyables, tous. Alors, bon, voilà, ça c'est. Toi, t'es contaminé, 100%. Mais alors, donc, il y a la friperie entre les deux. Oh non, je viens, on s'en fout. Mais j'ai rencontré des gens sympas, moi, au forum, autrement. On a dansé, country, tout ça, ça m'a rappelé. J'ai regardé son engouement pour la danse country pendant 2 ans. Tout ça, moi, je reviens mettre les pendules à l'heure, les miennes. Ah, je suis pas du tout celle qu'on a des peintres, Brigitte, du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont menti sur toute la ligne, ces gens-là, puis c'est bien pour ça qu'ils veulent pas me causer. Parce que si tu les voyais en ma présence, puis moi je rayonne. T'as vu, je suis pas du tout agressif. Je suis pas du tout agressif, je suis pas du tout celle qu'on a des peintres. Et depuis 6 ans et demi, c'est pas celle qu'on a des peintres qui vient à Châteaubriand. Par contre, eux, vous, vous êtes ceux que je dépeins. Les sébires. Oh, incroyable. Alors dis donc, Châteaubriand, qu'est-ce que c'est mort. Oh, on avait, alors on était avec des copains, on a fait tout un périple, un petit pique-nique au bord d'un étang, tout ça c'était machin, machin sympa, on en a profité dans les autres coins, on est tous de ce coin-là. On est tout plein de monde dans le coin. On a plein de potes. Les uns les autres, la quatre, l'équipe là. Moi je reviens à Châteaubriand jusqu'au bout. Je serai jusqu'au bout à Châteaubriand, le temps qu'il y a besoin, quoi. Pour dénoncer cette situation. Mais tranquille, j'y vais tranquille, je suis très très bien, très très en forme. Alors c'est mort, parce qu'après notre pique-nique, on nous envoie aller boire un café. Début d'après-midi, il est quoi, 14h30. Oh là 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 là, un café d'ouvert. Une personne sur la terrasse. Mon Dieu. Pas un chat dans Châteaubriand. Hein. Bonjour l'ambiance. Qu'est-ce que c'est mort, c'est vraiment une. Alors, la petite dame, on lui dit, ben les deux, il n'y a personne dans Châteaubriand. Ben, ils sont tous, tout le monde est au forum. Ah bon, si tout le monde est au forum, on va aller au forum de tout le monde. Donc on est débarqué au forum, voir tout le monde. Ben, vous y êtes pas, vous ne faites pas partie de tout le monde, vous. Apparemment, toi je t'ai vu qu'en photo, la Marie-Claude. Alors moi je me suis marré parce que j'étais incognito. Je ne me suis manifesté à personne, personne ne savait qui j'étais, sauf que j'étais trop, trop jolie avec mon truc de clown, le Rotary, tout le monde a craqué. Ça a dansé, on a fait plein de choses sympas, on a passé un très bon moment entre clowns. Mais, incognito. Alors, je suis allé au stand celtique. Oh, par contre, on me dit, on va peut-être être ma belle-mère. Voilà, Marie-Claude. Ah bon, non. Oh, il y avait plein de vieux, plein de gens celtiques, quoi. Les gens que tu t'acoquines. Je sais pas spécialement avenant. Si certains gentils. Si ils sont mignons, il y en avait qui étaient mignons. Il y en a un qui avait une moustache là. Il avait une sale. Il n'était pas du tout avenant. Les autres, ils étaient gentils. Parce que, bon, tu sais bien les endormir. Ça danse, quoi, c'est du folklore. Ça, du folklore, tu sais en faire, toi, du folklore à Marie-Claude. T'es là, non, non, mais par contre, je t'ai vu en photo. Oh, j'ai. Oh, cette dame-là, je la connais. C'est qui? Ah, oh, mais c'est Marie-Claude, c'est bien. Oh, ah bah ce monsieur-là, je le connais aussi, c'est qui? Ah, mais c'est Anne-Sébire. Alors j'ai tout su, ce que tu faisais, ce que vous faisiez, on t'est inscrit. À moins qu'il y ait une liste rouge, liste noire. Oh, ça serait marrant que j'aille un petit cours de toi, découverte, des danses traditionnelles. Oh, c'est possible, avant de débarquer, vous faire un plaisir. En tout cas, Brigitte, le...
Clown, c'est un filtre à cœur et tu n'as pas de cœur. Ton cœur est fermé. Alors, est-ce que ça vient des sbires de leur fréquentation? J'en sais rien. De toute façon, pour être tombé dans une telle histoire et ne t'être jamais posé la question sur ce que pouvait vivre le point de vue de la femme, tu vas te tenir compte d'un... Oh, ben, elle était comme ça, puis de prendre tout le paquet en même temps avec les gosses. Alors, c'est vrai que les enfants étaient complètement utilisés. Nous sommes dans une situation d'aliénation parentale. Donc, ils ont mis tout le monde dans l'arène, tous mes fils, tout ça. Mais quand même, quoi. Faut vraiment avoir un grain, je suis désolé de le dire, pour ne rien chercher. Parce que moi, je cherche toujours l'info. Hein. Moi, quand j'ai débarqué dans la famille Sébir, j'ai quand même cherché l'info à fond. Putain, mais dis-moi, moi, je me suis pas embarqué dans yoga, machin. Alors, qu'est-ce que t'as? T'as peut-être un ego. Mes copines, elles t'ont trouvé avec un fort, fort ego. J'ai vécu la Kundalini, l'éveil de la Kundalini. Je pratique tous les matins, tous les soirs. Moi, j'ai pas besoin de pratiquer la Kundalini pour être dans l'éveil et puis de la sentir d'ailleurs, il suffit. Ça se réanime tout seul quand c'est animé. Je sais pas pourquoi t'as besoin de pratiquer tous les jours. Hein. Alors, Bob l'éponge, ça doit lui plaire, puis les mantras sanskrit. Oh, il adore avec ça. Comme la Sokagaka, il a retrouvé sa nouvelle gourou. Oh, les tableaux. Le tableau dans la grande rue, c'est vraiment trop incroyable. En tout cas, les copains, ils ont adoré faire leur reportage, leur montrer notre ancienne maison, tout ça. Voilà. Donc, Brigitte, tu m'interpelles. Parce que tu connais depuis certainement 2020, là, enfin, dès qu'il est arrivé, là, le Bob l'éponge, parce que la marée d'eau, elle a dû te foutre le grappin dessus. Dire, elle est bien celle-là pour toi. Elle est méchante comme moi, sûrement. Parce qu'elle s'associe qu'à des gens comme elle. Donc, t'es méchante, et puis c'est vrai, ton cœur, il s'est pas ouvert aux clowns. À aucun de nos clowns. Et puis tu tournes le doigt à tout le monde, donc et puis voilà, tu te caches derrière tes lunettes. Puis ton corps, eh ben, il dégage pas la grâce, hein, je suis désolé. Parce que comme ça, je dis ce que je pense, parce que moi je sais que le mien il dégage. Parce que j'ai travaillé la grâce sur moi. Donc tu m'interpelles beaucoup, t'es un drôle de personnage. Même pas avoir cherché sur passé exprès. Hein. Tu tournais le dos, tu voulais plus rien voir. Et des mères en plus de deux garçons, là. Alors c'est quoi qui t'a attracté dans cette histoire-là? Ça m'intéresse. Hein. Qu'est-ce qui t'a attracté dans l'histoire de la famille Sébir, dans l'énigme Sébir? Me remplacer. J'ai de mes enfants. Hors de nuit, tu peux. Oh, ça, je te le laisse tout paquet. Ouh, ah, au secours. 19 ans. Parce que 19 ans, quand même, Bob l'éponge, c'est un viol permanent quand on fait l'amour à quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu lui as dit à ta copine Brigitte ça. Et depuis 6 ans et demi, parce que ça on le sait pas quand on est dans le vif du pieu. Hein. Mais quand même, pas un seul élan en 6 ans. Alors après, il y a Yoga Kundalini, parce que toi, il suffit qu'on te donne le qui tu y vas, tu reproduis, moi, c'est pas dans 6 ans, il me dit, 19 ans, t'as reproduit, il n'y a pas eu de nouveauté. Hein. Faut pas t'attendre de la nouveauté, hein, Brigitte, faut rêver. Rien ne sort de lui, mais quand même, tu lui as dit que je te dégoûtais. Que ça te dégoûtait de me toucher. 19 ans, c'est là où c'est un viol. Comment on peut dire à quelqu'un tous les jours qu'on l'aime? C'est ce que tu fais à Brigitte. Tu lui dis je t'aime, tu lui fais l'amour. Alors qu'à l'intérieur de toi, elle te dégoûte parce que t'as pas guéri ça, parce que tu me parles actuellement de moi comme ça. Les femmes me dégoûtent. T'as la mère de tes enfants. Alors c'est un drôle de jeu, là. Alors il n'y a pas d'enfant en jeu. Il n'y a rien à construire, parce que la Brigitte, elle a tout construit, donc il t'a tout construit. Lui, il débarque dans la baraque, tout frais en clé en main, la nana, le yoga, le gourou, la belle-mère, la mère à côté, les gosses à côté, tout le monde dans la même rue, bon. Sauf qu'il y a encore moi qui suis là, désolé, et qui arrive dans la rue. Dans la rue, donc d'un côté, ouais, on n'a pas eu une bonne impression. Alors moi, je me suis dit, j'ai un peu de peine quand même, je me suis dit, putain, mais alors quand même, parce que là, faut que tu aies des sacrées failles pour arriver dans ce sentier-là sans te poser de questions du tout. Il y a quand même un vrai problème chez toi, Brigitte, je suis désolée. Hein. Comment tu te poses pas des questions sur avec qui tu couches? Parce que comme il parle de moi, c'est de toi dont il parle, de ce qu'il pense de toi par derrière. Parce que moi, il m'a dit que des belles choses par devant pendant 19 ans. Que j'étais une merveille, tout ça, qu'il m'aimait... Il m'a miré, gna gna gna, j'étais la femme de sa vie, puis à chaque fois qu'il se disait, oh, je t'aime. 19 ans. Alors comment tu t'es pas posé la question avec la crise de mes enfants?
T'es qui, quoi? T'es quoi comme mère? Quand même. Moi, il y a dernièrement, j'avais rencontré une histoire comme ça. J'ai rencontré l'homme. C'est dans mon parcours de 5 ans et demi. Un homme qui a témoigné en ma faveur, d'ailleurs. Et bien, l'homme, il me racontait, à ce moment-là, je croyais que j'étais autiste, hein, tellement j'avais de troubles que j'ai plus du tout aujourd'hui, plus aucun trouble. Comme ça, mais à un moment donné, votre violence était telle que moi, je me suis cru autiste pendant plusieurs mois, quoi. Je dirais mais presque une année, alors que j'ai pas du tout de trouble autistique. Aucun. Pas une seconde, pas de bipolaire, rien de tout ça. Mais ça c'est les conséquences hein, de votre violence de 6 ans et demi dans lequel vous avez donné les moyens. Alors cet homme, je le rencontre, mais il me racontait des tas de trucs. Oh, ben, sa femme était malade, tout ça. Puis il avait une jeune fille, Alice, qui était super. Des enfants, d'autres enfants. Puis en finalité, ben, j'ai dit, ben moi, il y a quand même quelque chose qui m'échappe là. Et je me suis retrouvé en contact avec la femme. En question avec qui je suis devenu super coton, d'ailleurs. C'est la question. Parce que les proies de Bob l'éponge, certainement, en général, t'es certainement une merveille. Hein. Tu devais avoir... Forcément, ils prennent pas n'importe qui, les pervers narcissiques comme proie. Ils prennent quelqu'un de... pour derrière arriver, derrière moi. Faut forcément que t'aies une belle énergie. Mais moi, j'ai pas vu quelqu'un hier, alors est-ce que c'est... Ils sont contagieux. Hein. Moi, ils me détruisaient le corps. Hein. Je mourais. Hein, il y a 6 ans et demi, je mourais. Hein. Je saignais de partout. J'avais pas du tout la... Ma beauté d'aujourd'hui, je me suis complètement reconstruite, j'ai mis 6 ans et demi. Hein. Et je suis restée 19 ans, donc c'est un prix de groupe que t'as dans la même rue. T'étais avant avec la belle-mère, et puis elle a... Bonjour Brigitte, ah bonjour, ah vous déménagez, nous allons vous aider. Ah gna 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 gna. Sauf que moi je suis là, et je redemande ma place, et qu'on me respecte, et toi aussi tu me respectes d'ailleurs. Avec le peuple éponge et en lien avec mes enfants, j'attendrai que tu me respectes comme les autres. J'ai l'air de ne pas trouver du tout respectueux, c'est quelqu'un de fuyant. T'as fui. Et t'étais dérangé. Qu'est-ce qui t'a dérangé? C'est que je ne suis pas intervenu, je t'ai laissé être. Je t'ai posé des questions sur ton yoga. Oh ben alors là, c'est encore une arnaque, ça, de faux prophètes, de gourou, encore gourou Brigitte. Là, faut arrêter tout ça. Arrêter tout ça. Bon, les miens, je pratique et que je transmets sont gratuits. C'est pas avec ça qu'on gagne de la thune. De toute façon, c'est avec ce que l'on est, mais bon. T'enfermer chez toi, ça donne pas envie, on peut même pas se renseigner. Regarde, je t'avais appelé une fois, tu vois. On peut même pas se renseigner. Il a fallu avoir l'équipe au sol, là, des copains clowns, pour pouvoir avoir de l'info que tu m'as acheté derrière. Venez pour aider vous, bien sûr. Mais moi, sauf que j'étais quelqu'un de gratuit. Et devant 3 témoins. Ah, alors je vous souhaite une bonne... À bientôt les copains, là. À bientôt, c'est passionnant tout ça. J'ai passé une très très bonne semaine, fabuleuse, vraiment fabuleuse, mais avec tous les copains, là. J'ai rendu service à un petit jeune qui attendait un logement, qui l'a trouvé, tout ça. Voilà, j'ai rendu service et puis je suis reconnue, on m'adore. Il y a même un copain, là, qui a eu un propriété désagréable. Il y a quelques semaines qui est venu vers moi là, en disant comment tu vas, j'ai été désagréable, n'importe quoi. Je n'avais rien demandé. Si c'était désagréable, c'est avec toi-même. Si tes problèmes, voilà, j'ai disais ce copain-là, je t'ennuie avec mes problèmes. J'ai dit non, c'est tes problèmes qui t'ennuient, c'est pour moi, tes problèmes, ils ne m'ennuient pas, je m'occupe des miens. Et puis je vais juste conclure vite fait, là quand même, vous m'avez tous incité à aller vers ma foi. Je dis vas-y, éclate-toi, via David. Bien Jade, mais sois heureuse et éclate-toi dans ce que tu veux être. La danse, bien sûr, j'ai envie de danser. Bien sûr, j'ai envie de continuer à faire le clown spontané comme je le fais. J'adore et on adore l'équipe. Et bien sûr, j'ai envie de faire du théâtre, mais à la fois, j'ai envie de résoudre ce problème qui nous concerne. Puisque j'en ai fait véritablement ma priorité, mon cheval de bataille, c'est ce que je suis. Ce qui m'intéresse, c'est comment on résout un tel bordel. Donc vous êtes totalement concernés par la résolution de vos fameux encouragements. Va dans ce qui t'éclate. Ben justement, ce qui m'éclate, c'est de faire exploser la vérité, de résoudre ce problème, parce que personne n'arrive à les résoudre, des problèmes comme ça. Et donc c'est véritablement là, ça, ma grande priorité. Hein, le médor du clou du théâtre de la danse.
Ça, c'est secondaire. C'est les deux, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur, c'est là où je rencontre les gens, je danse avec les gens, mais ma priorité, mon absolu, c'est vraiment la justice. Alors, vous avez envoyé David, il est violent, David, hein. Vous êtes hyper emmerdé quand même. Parce que les propos de David, il me reproche encore de ne pas lui avoir de la façon. Je sais plus où il en est, le pauvre gars, là, mais il vient en ton nom, en votre nom. Vous avez peur de la justice, hein. Oh la vache. Arrête pas de dire faut pas, ça aboutira pas. Alors là, merci les copains. Ah, vous m'en donnez des infos. Ben, très bientôt, je continue, parce que ma réussite, cette année, je veux vraiment résoudre votre problème, le problème qui nous concerne. Ah, avec moi dedans, là, fait le poids sur 6 ans et demi, puis il y a du lourd. Je sais pas par quel bout ils vont pouvoir le prendre, l'histoire. La police. Mais si, parce que moi j'amène toute la logique, je suis extrêmement construit, mes dossiers sont extrêmement construits. Vous avez pu le regarder, le constater, vous en avez des infos. Parce que celui de Tomasini, que tu as eu par toi. Il faut regarder tout ça. C'est tout ça que la police va avoir. À bientôt les petits cœurs, j'allais voir un copain, j'ai fait son jus d'orange. J'ai vu plein de copains aujourd'hui. Là, je vais en revoir un autre. Allez, salut. Avec des chiens d'ailleurs, c'est des copains qui ont des super chiens, j'adore les chiens.